Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce tout nouveau tuto Heart of Iron. Aujourd'hui tuto qui a pour but de vous montrer la commande de code de triche d'Heart of Iron. Donc c'est pas cette fois une vidéo où on va utiliser les mods ou on va se servir de mods pour créer une carte, c'est vraiment sans mod, sans rien, comment utiliser les codes de base du jeu. Donc si vraiment vous voulez plutôt savoir comment créer votre carte ou utiliser vraiment des mods pour développer la map, ce sera pas cette vidéo là, je vous invite à regarder la vidéo qui sera à la fin. Donc là, nous allons voir déjà comment ouvrir la commande de triche de code du jeu. Il suffit d'appuyer sur 2, le petit 2 de votre clavier qui se trouve en dessous d'échappe. Je vous mettrai une photo pour vous aider. Donc là vous voyez, hop, j'ouvre le petit 2 et ça ouvre la commande de code du jeu. Donc c'est ce petit chien très sympa qui représente la commande de code. Ok. Déjà, le code le plus important et le principal pour moi, c'est si vous voulez changer de pays au cours d'une partie. Ça peut arriver pour diverses raisons. Donc vous avez juste à taper tag, T-A-G, plus les initiales en 3 lettres du pays. Par exemple, Royaume-Uni, je vais taper England. Hop, je bascule, je suis à présent le Royaume-Uni. Également, si je voulais le faire pour la Belgique, tag B-E-L. Je vous mettrai de toute façon en description dans tous les tags pour éviter de vous faire perdre du temps à chercher sur internet, parce que le but c'est quand même de vous faire gagner un maximum de temps. Donc vous aurez juste à regarder la description si vous cherchez un tag bien spécifique pour par exemple, je sais pas, la Suède ou autre. Donc là j'en fais un dernier pour vous montrer encore une fois que ça marche bien. Tag Allemagne, Germanie, G-E-R, parce qu'évidemment le tag est en anglais. Hein. Donc là, Germanie, hop, je suis bien l'Allemagne. Ok, donc ça c'est peut-être la chose la plus importante à savoir. Autre chose, si vous voulez voir le déplacement des unités ou la façon dont le jeu se développe en général, il vous suffit de faire Fog of War, donc Fog of War, F-O-W, et là qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai toutes les unités sur la map. Ok, je peux savoir qu'il y a des divisions autour de la ligne Maginot, à Paris, enfin bref, peu importe, on a vraiment même les flottes, hein. Bon, pas les avions, mais vous avez les flottes et les divisions. Et là, regardez maintenant si je fais passer le temps. Hop, je fais passer le temps. Personne ne bouge. Les EA ne se développent pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que en amont de cette vidéo, ce qui m'aide d'ailleurs beaucoup, j'ai fait le code EA, tout simplement. Donc là, hop, je viens de le faire. EA on, qu'est-ce qui se passe? L'EA est activé. Hop, les EA se déplacent, voyez. Ça peut être très utile, je sais pas, admettons que vous voulez organiser la partie de manière spécifique, vous bloquez l'EA, vous déplacez les divisions, vous les mettez où vous voulez, et voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Donc là, hop, EA. L'IA est désactivée, les divisions vont se déplacer vers la ligne de front qui ont été déjà finies, mais là l'IA ne reçoit plus d'ordre et ne fait plus rien. Un code important à savoir qui peut beaucoup aider. Un autre code très important, peut-être même l'un des plus importants, le code de téléportation. Téléporte. Qu'est-ce que ça me permet de faire? J'active téléporte. Hop, au lieu de que mes unités se rendent à Leipzig en marchant, je clique sur Leipzig, mes unités encadrées se téléportent sur Leipzig. Ça ne marche pas en territoire ennemi puisqu'ils n'ont pas l'accès militaire. Mais ça marche sur l'ensemble de mon territoire. Donc là, je peux aller à Kiel, je peux aller à Hambourg, je peux aller à Munich. Voilà, par exemple, vous avez, je sais pas, peu importe le scénario, vous faites attaquer par la Pologne. C'est un peu facile, mais hop là, on est arrivé. Bon, voilà, ça peut être utile, encore une fois, pour organiser votre partie, peu importe les raisons. Donc voilà, c'est le code téléporte. Je vous conseille quand même de le désactiver, puisqu'après, quoi que vous fassiez, tout le monde se téléporte, quoi. Donc quand vous n'avez plus besoin, vous le désactivez, et voilà, le déplacement se refait normalement. Ok. Ok, un code un peu plus technique maintenant. C'est celui de la construction, que je m'en souvienne. Moi j'ai un trou de mémoire. IC, voilà. Instant Construction, j'avais un doute. J'hésitais entre IC et IG. IC, qu'est-ce que ça fait? Instant Construction, la construction se fait instantanément. Je vais faire une usine militaire à Berlin. Hop, plus une usine militaire à Berlin. Je vais en faire 20. Bah, je peux pas en faire 20, puisque la maximum est de 12, donc ça respecte la maximum d'usines par territoire. Encore une fois, hein, si on utilisait les mods, ce serait plus simple, notamment avec le Tool Pact, où là, on pourrait build des bâtiments comme on veut. Mais là, c'est vraiment la commode du jeu, donc ID... Non, IC, pardon. Hop, je peux mettre les bâtiments que je veux. Admettons que je voulais une raffinerie ici. Hop, maintenant, il y a des raffineries. Je voulais des cubes de carburant ici, je mets des cubes de carburant ici. Je voulais mettre des infrastructures, j'en mets. Vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, moi, je voulais bombarder d'usines civiles. Mais c'est un peu long, voilà, de mettre 1, 2, 3, 4 comme ça. J'ai envie de tout mettre d'un coup. Bon, vous êtes un peu feignant déjà, mais c'est pas grave. Vous appuyez sur la touche au-dessus de cette ARL dont le nom m'échappe. Hop, ouais, ça met tout à max. On est passé de 2 à 8, voilà. Également, ce code, Instant Construction, il s'applique aussi, et ça fait très attention avec ça. Ne le laissez pas en pleine partie, pourquoi? Parce qu'il s'applique aussi pour la flotte. Regardez bien mes cuirassés, que je sors à Collins. Le jeu va comprendre qu'ils se font de la construction se fait de manière... automatique. Regardez, je vais faire passer le temps. Vous voyez?
Regardez-moi ça. Nous avons des cuirassés qui ont spawn de manière cheatée. Encore une fois, hein, je vais refaire des cuirassés. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Attention, hop. Hop, hop, ouais. Donc si vous voulez vous faire une grande flotte, sans passer par les codes, vous utilisez la commande du jeu. Et là, vous voyez, ce qui n'arrivera jamais dans votre partie de Faran, vous avez une flotte de cuirassés qui se développe. Et là, laissez-moi vous dire qu'avec vos 18 cuirassés, vous pouvez conquérir une bonne partie de l'Europe. Encore une fois, faites très attention, parce que ceci s'applique également pour le Royaume-Uni, qui va se retrouver avec 50 000 porte-avions, ou n'importe quel autre pays, la Lituanie qui aura 10 000 sous-marins. Donc, encore une fois, Instant Construction, il sait... activez-le quand l'IA est désactivé, comme on a vu précédemment, ou quand le temps ne passe pas, par exemple. Là, hop, le temps n'est pas passé, je désactive mon IC. Vous voyez, les navires ne se font plus d'un coup, donc ne faites vraiment pas passer le temps quand vous utilisez IC, c'est tout bête, mais faites attention. Est-ce que les infrastructures des IA se font automatiquement quand le code est activé? Je ne pense pas, de mon expérience personnelle, peut-être. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus, je ne pense pas. Ok, passons à la recherche. Vous allez me dire, bon, je suis l'Allemagne en 36... Et je voudrais avoir la bombe nucléaire. Déjà, vous êtes un peu fou, mais pourquoi pas? J'ouvre ma commande, et nous allons utiliser ce code un peu plus compliqué, on va dire. Research on one, je sais pas, icône, click. Ok, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça c'est très utile parce que pas beaucoup de mods peuvent vous le faire. Je clique, c'est recherché, hop. Ça me prend 1400 jours, c'est recherché. 2000 jours, c'est recherché. La bombe nucléaire, c'est recherché. Voilà. Donc là, on a la bombe nucléaire de 45 en 36. Et en plus, avec mon autre code précédent, IC, je pourrais mettre plein d'usines nucléaires pour avoir la bombe en 36. Bon, bref. Vous voyez, ça marche pour tout. Admettons que vous voulez faire un pays un peu plus fort dès le départ. Bah, hop, vous lui faites des doctrines. Par contre, attention. Faites très attention, ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Vous mettez des trucs et tout. Vous mettez d'accord. Merde! Je viens de faire le Panzer 2. Le Panzer Shrek 2. Oh là là, comment je fais pour le désactiver? Eh bien, le jeu ne peut pas vous faire désactiver, vous l'avez activé, vous assumez, les gars! Non, plus sérieusement, c'est très relou, parce que vous voyez, là, c'est exactement ce qui arrive souvent quand je le dis personnellement. Je mets d'accord, hop, merde, je viens de faire une recherche que je voulais pas faire. On a un lance-roquette de l'espace en 36, ça nique toute la partie. Donc, les amis, faites très attention, car ce n'est pas, on va dire, révocable. Vous faites un truc, ça va rester. Donc, sauvegardez bien avant de mitrailler de trucs que vous n'êtes pas sûr d'assumer, parce que ça peut vite fausser une partie, parce que là. Je peux vous assurer que même les Panzer 3, ils vont se prendre un coup de lance-roquette, ils vont pas tenir. Donc voyez, utilisez avec modération et avec prudence surtout. N'hésitez pas à sauvegarder constamment quand vous faites des trucs plutôt que de faire une erreur. Merde, on a la MP43, comment je fais? Il faut revenir à la sauvegarde d'avant parce qu'on peut pas l'annuler quoi. Ok. Également, si vous voulez toutes les recherches, il me semble que c'est ça. Non. Research All. Et voilà, Research All, qu'est-ce qui s'est passé? Mon bel accent anglais, eh bien, on a toutes les recherches du jeu. Bon, ça peut être sympa, admettons que vous voulez un peu un scénario des années 50-60 dès le début de votre partie, bah voilà, là, on y est dans les années 50, on a déjà les meilleurs avions du marché, donc là... Bon, pour Research Hall, vous avez vraiment tout, hein, vraiment tout, c'est-à-dire que vous avez même les chars que vous ne pensiez pas voir, un Yacht Panther, bon, bah bref, vous avez compris l'idée. Un Yacht Maos, un truc qui n'a jamais existé, il me semble. Bon, voilà. Ok, maintenant, parlons un peu géopolitique, très important. Je veux... Attends, on va prendre un pays qui n'a pas d'alliance. On va prendre la Belgique pour une fois, allez hop. Partons à présent en Belgique. Voilà, je suis en Belgique, je n'ai pas d'alliance. Mais j'aimerais bien avoir, pour je ne sais quelle raison, une alliance avec mes amis du Pays-Bas. N'est-ce pas, monsieur? Non, j'ai pas d'amis. Andricus, veux une alliance avec moi? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que regardez, hop, là, j'ouvre la diplomatie. Putain, c'est relou, on peut pas créer une faction, on peut rien faire, c'est casse-pied. Bon, vous allez activer le code suivant. Allo, diplo. Pas confondre avec diplodocus, c'est diplomatie. Ok. Donc là, allo, diplo, is allowed. Je peux demander n'importe quoi, sauf ça, parce qu'on n'est pas en guerre, on veut des volontaires, il faut qu'ils soient en guerre. Je peux demander n'importe quoi, donc là, on peut créer notre faction. Mais merde! Ne sera pas accepté, putain! Andricus, tu fais chier! On voulait cette alliance, pourquoi ne veux-tu pas? Bah parce qu'il y a plein de raisons, enfin bref, c'est des statistiques. Mais moi, je veux à tout prix cette alliance avec Andricus! Donc j'ai utilisé le deuxième code, EA, accepte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Andricus est d'accord! Mais Andricus a toujours voulu cette faction, donc là, créer une faction, on va l'appeler... Le...
je m'en fous, on appelle ça comme on veut. Le traité de Liège, voilà, pour je ne sais quelle raison. Hop. Je peux passer le temps. Ah, j'ai désactivé l'IA. Je me disais, Andricus, tu me l'as mis à l'envers. Ok, je réactive l'IA. Et Andricus accepte le traité de Liège. Vous voyez? Hop. Andricus est d'accord, et l'Allemagne se méfie déjà du traité de Liège. Également, pour je ne sais quelle raison, bon, moi je suis une démocratie, en temps normal je ne pourrais pas déclarer la guerre ainsi, mais je vais déclarer la guerre à l'Allemagne. Hop, et on veut déclarer la guerre. Et Andricus est d'accord, Andricus veut la guerre. Bon, là on va probablement perdre, parce que je viens de faire une grosse connerie, puisque l'Allemagne pourrait probablement nous repousser, enfin je sais pas, peut-être non, que la Belgique gagnerait, peu importe. Mais voilà. Est-ce qu'on peut faire la paix? On peut faire la paix. Voilà. Le Reich allemand est attaqué, mais le Reich allemand a signé une paix blanche, voilà. On s'est rendu compte avec... Ah non, mais Andricus est toujours en guerre, bon. On a plongé Andricus dans la merde, mais bon. Bref. Vous avez compris un peu l'idée, quoi. Ensuite, très important, allons prendre un pays comme... Peu importe, allez, l'URSS pour vous montrer à grande échelle. Tag... Sauve. Voilà, pour soviétique. Ok. Ça c'est bien les IA qui font n'importe quoi, il y a 10 000 généraux partout, hop, on gâche leur travail. Voilà. Je suis de l'URSS et je voulais dès le début que la Roumanie soit sous mon commandement. Mais encore une fois, je ne veux pas utiliser de mode, pour je ne sais quelle raison. Eh bien, je vais taper, si le code marche encore, annexe Rome pour Romania. Et hop, j'ai annexé la Roumanie en quelques secondes. Mais bon, méfiance, c'est pas des états nationaux, donc vous allez vous taper la super résistance. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Après, j'ai plus qu'à la libérer, hein. Impeccable. Ok, bon. Ensuite, je suis en guerre contre la Pologne. Ça se passe mal, j'ai du mal. Je veux que ça change. J'aimerais avoir des communistes polonais qui se soulèvent. Il n'y a qu'à demander. Attention, faut pas rater celui-là. Civil War. Communiste, puisqu'on veut des communistes. Donc communisme, comme ça. Faites bien attention à l'orthographe, c'est important. Pologne, P-O-L. Qu'est-ce qui se passe? Et bien soudainement, des communistes de Pologne sortis de nulle part ont levé une armée et se soulèvent. Et ils seraient probablement... Non, pas toi. Voilà. Nous avons Gomulka, semblable à Louis de Funès. Qui est prêt à entrer dans notre faction, qu'on peut inviter à notre faction qui combattrait à nos côtés. Ouais. Bref. Également, je suis la Tchécoslovaquie. Tag CZE. Pour Tchécoslovaque, hein, c'est un peu bizarre, mais ça s'écrivait comme ça à l'époque. Je veux déclarer la guerre. Enfin, je suis en guerre contre l'Allemagne car j'ai refusé de céder les Sudètes. Et j'aimerais bien que les démocrates allemands m'aident. Vous avez compris. On réécrit Civil War, sauf que cette fois, ce sera pas communiste, ce sera démocratique. Comme ça, faites attention à l'orthographe. Germanie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les démocrates allemands se soulèvent contre Hitler. Voilà. Bon après, vous pouvez pas gérer les états de la guerre civile, les territoires de la guerre civile, mais vous avez compris l'idée. Je vais le faire pour chaque pays pour bien que vous compreniez l'idée. Hop, tac. Je suis l'Italie. Je voudrais une guerre civile contre en Yougoslavie. Civil War, cette fois pas démocratique. Fascisme. Voilà. Donc là, les fascistes yougoslaves. Bon, dernière chose. Je suis la Suisse. Non, pas la Suisse, il me faudra un pays non aligné. L'Autriche est non alignée, il me semble. Oh là, encore lui, ouais, bon. Tag Österreich, ouais. Voilà. Je veux que les royalistes allemands se soulèvent. Ou les royalistes italiens pour changer, allez. Tag Neutrality pour l'idéologie neutre. Italien. Merde, et le fail est arrivé. Et voilà, hop, les non-alignés italiens se soulèvent. Nous avons un retour de Victor Emmanuel, il me semble, voilà. Qui est aux commandes de la monarchie italienne. Bon, ouais, là, voilà, c'était vraiment les instances de base. Ok, bon. Maintenant, admettons que, pour je ne sais quelle raison, j'ai envie d'avancer en Allemagne sans trop de difficultés, voire sans difficultés. Bon. Code qui peut être utile. Delete all units. Si je me suis pas trompé, Germanie. Ok, et qu'est-ce que ça fait? Ça supprime l'entièreté de l'armée allemande. Y compris la flotte. L'Allemagne est totalement démilitarisée, sans flotte, sans rien. Il n'y a plus qu'à avancer en Allemagne, au bonheur des démocrates allemands. Voilà. Je pense avoir fait le tour.
à des codes de base, enfin surtout des codes les plus importants de la commande d'Autriche, de Heart of Iron. Évidemment, j'ai oublié deux choses très importantes que je vais rappeler rapidement. Admettons que je veux du poids politique rapidement parce que j'ai une petite difficulté, je joue la commande d'Autriche, PP, je choisis un nombre, admettons 20, 20 de poids politique. J'ai la flemme de choisir un nombre, je veux le max, PP tout court, ça me met directement 1000 poids politiques, non, 999, pardon, bon, 1000 poids politiques d'un coup. Autrement, je veux de l'expérience militaire pour je ne sais quelle raison, je tape XP. Encore une fois, je peux choisir un nombre, admettons 80, par exemple pour placer 80 XP à un pays, ou je sais pas. J'ai la flemme, je veux le maximum, XP tout court, hop, 500 pour tout, voilà. Dernière chose, pour le manpower, j'ai un petit manque de manpower, j'aimerais bien des petits hommes en plus. Je tape manpower, je choisis un chiffre, allez hop, 500 000, voilà. Si je choisis pas de chiffre, eh bien ça me met 10 millions. Voilà, comme ça au moins on pense que vous avez une bonne marge de bonhommes qui peuvent mourir. Bon, je vais essayer quand même un chiffre parce qu'encore une fois, je ne sais pas si c'est révocable, je vais essayer de mettre moins. Ah, ça marche. Bon, si vous mettez moins, ça marche. Bon, voilà, c'est révocable. Autant pour moi, je me suis trompé, je viens de découvrir ça en même temps que vous. Et donc, voilà. Là, cette fois, je pense vraiment avoir fait le tour. Si vous cherchez un code bien spécifique que vous n'avez pas trouvé, demandez-moi. Peut-être que je l'ai en commentaire, mais que je n'ai pas jugé utile de le mettre dans cette vidéo. Donc, voilà, j'essaierai encore une fois de répondre un maximum à vos questions. En espérant que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, il y a une autre vidéo sur comment vraiment gérer les territoires, gérer votre propre map avec les mods que je vous mettrai juste à la fin de cette vidéo. Et sinon, si j'ai répondu à vos exigences de base, eh bien, j'en suis ravi. Je ne pense n'avoir vraiment rien oublié, vous avoir montré l'essentiel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Voilà, au revoir.